m'appelle Manon Fleury, je suis chef et je suis en train de monter mon restaurant. Je suis une ancienne élève de Ferrandi de la première année du bachelor et j'ai été diplômée en 2014. J'ai choisi Ferrandi Paris parce qu'à l'époque, j'ai fait mon premier apprentissage chez The Kitchen Gallery avec William Ledeuil. Et William Ledeuil, qui est un ancien élève de Ferrandi, m'a conseillé vivement de faire le bachelor. Enfin, à l'époque, c'était l'école locale supérieure de cuisine française. Mais voilà, c'est devenu l'année où je suis rentrée le bachelor. Et je suis rentrée sous ses conseils à ce moment-là parce que Ferrandi était quand même réputée comme étant la meilleure école à Paris pour se former au métier. Après que j'ai terminé l'école, je suis partie aux États-Unis dans un restaurant qui s'appelle Blue Hill at Stone Barn. C'était juste à côté de New York. C'était un restaurant farm to table, donc on travaillait à 70% avec les produits de la ferme. Donc on était quasiment presque en autosuffisance. Puis après Blue Hill, je suis revenue en France. J'ai un peu travaillé de manière indépendante. J'ai retravaillé avec Pascal Barbeau de l'Astrance qui m'avait formée en apprentissage quand j'étais à Ferrandi justement. J'ai pu voyager un peu avec lui, partir à Singapour. J'ai eu une expérience à ce moment-là de chef privé sur une île en Grèce pendant 2 mois. Et à ce moment-là, je me suis un peu rendu compte aussi que j'avais envie rapidement d'avoir des responsabilités, etc. Et après, donc, je suis retournée au restaurant Semilla où j'avais travaillé un petit peu avant de partir aux États-Unis. Et j'y suis restée 1 an et demi. J'ai d'abord recommencé chef de partie et puis je suis passée sous chef là-bas. Au bout d'un an, j'ai eu une proposition pour devenir chef du restaurant Le Mermoz dans le 8e arrondissement. Et donc, j'ai été chef pendant 2 ans du Mermoz. Et voilà, donc j'ai quitté le Mermoz il y a presque 1 an, en janvier 2020. Il y a moins de 10% de femmes chefs en France, donc il y a encore du boulot. Mais on y vient et je pense que c'est à nous, celles qui maintenant sont chefs, de montrer que c'est possible et qu'on peut y arriver. Et que les filles ne sont pas essentiellement dans les écoles de cuisine, puisque dans les écoles de cuisine, on est très présentes. On est quasi à parité, je crois, même si ce n'est plus. Donc il faut montrer que les filles sont capables après d'accéder à des postes à responsabilité. Alors mes projets aujourd'hui, c'est de créer mon restaurant. Avec la conjoncture actuelle, c'est un petit peu retardé. Mais voilà, c'est toujours dans les projets. On essaie d'approfondir le projet, de prendre son temps, parce que la période nous enseigne qu'il faut être patient. Mais c'est un projet qui est en cours et qui me tient à cœur. Il y a aussi une grande bienveillance au sein de l'école qui se retrouve et qui est présente aujourd'hui dans un réseau, puisque moi j'ai gardé vraiment des bonnes amitiés et des réels liens avec les gens avec qui j'ai été formée et que j'ai rencontré aussi grâce à Ferrandi. Donc ça, c'est vraiment important. Alors moi, ce qui manque le plus à Ferrandi, et quand j'y reviens, je pense que c'est lié au bachelor, mais cette espèce de coursive où on a une vue incroyable sur Paris. Et quand je reviens et que je fais des démonstrations, parce qu'il m'est arrivé de revenir à Ferrandi pour faire des démonstrations au bachelor, j'ai toujours un petit pincement au cœur en me disant que c'était quand même sympa le matin quand on voyait le soleil se lever, quand on venait très tôt faire nos cours de cuisine, parce qu'on arrivait à 7h en cuisine. Et ça, j'ai un peu une nostalgie de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer, de faire de la cuisine, parce que c'est un métier qui fait envie. Il y a beaucoup de concours de cuisine à la télé. C'est un métier qui devient de plus en plus glamour, et je pense que c'est très bien. C'est plus une voie de garage. Donc je pense que c'est pour le mieux du métier. Simplement, il faut se rendre compte que c'est un métier qui est difficile, qui nécessite des heures de travail, qui nécessite un gros investissement. En fait, pour moi, c'est vraiment un métier d'artisanat où il faut répéter les gestes, où il faut... mais il y a une espèce de beauté dans cette répétition qui, pour moi, a vraiment quelque chose de noble. Alors, Ferrandi en 3 mots, je dirais que c'est l'exigence, la bienveillance et le classicisme.
Donc si Ferrandi était un plat, ce serait plutôt une pâtisserie, ce serait une religieuse. Parce que j'ai un très beau souvenir du seul concours de cuisine que j'ai fait. J'ai jamais voulu en faire par ailleurs, de justement un concours de la religieuse qu'on avait fait à deux avec Romain, si tu te rappelles Romain, qu'on avait fait ce concours à deux. Et on n'avait pas du tout gagné, mais ça avait été une super épreuve et on avait beaucoup appris. Et je me souviens, on avait fait une religieuse rouge et je la trouvais pour ma part très glamour.